Ok, Wig, est-ce que tu vois ce que je vois sous les yeux? Magnifique! Football Tycoon 2! On a fait le premier épisode, c'est actuellement la deuxième vidéo Tycoon la plus vue de ma chaîne. Autant vous dire que là, on va se régaler avec ce nouvel épisode, donc n'hésitez pas à le regarder jusqu'au bout, sachant qu'on a un petit aperçu de ce qu'on va pouvoir construire comme stadium dans cette vidéo. Magnifique. Par contre, j'ai pas envie d'attendre 30 secondes, là! J'avoue que j'ai envie de partir directement, et d'ailleurs, est-ce qu'on partirait pas directement? Let's go! Mais attends, mais on peut construire notre ville, mais normalement, ce truc, c'est dans YouTuber Tycoon, là, ils l'ont mis dans Football Tycoon, du coup. Là, c'est bien que tu l'aies remarqué, Wig. Actuellement, en fait, c'est un mélange entre Football Tycoon du premier épisode et un YouTuber Tycoon 2 qu'on a déjà tourné ensemble. C'est la même ville. C'est-à-dire que là, on va devoir construire notre meilleur stade pour ensuite conquérir la ville. Ok, et c'est parti, du coup. On est téléporté dans le stadium. Oh, ouais, direct. Je suis le stadium bleu, t'es où, Wig? Attends, où est-ce que... T'es le jaune, quoi? Non. Ouais. Je suis jaloux, carrément. Attends, tu veux pas qu'on échange? Trop tard, j'ai claim. Non, je te vois juste là, tu seras à ma droite, ok. Et du coup, moi, je suis parti aussi de mon côté. Donc, l'objectif de ce Football Tycoon, ça va être forcément de se faire le meilleur stade possible. Et là, on peut se faire un 1v1 si on fait 30 buts. Mais déjà, on doit faire des séries de pénalty. Donc, je tire sur le jaune et c'est le premier but. Okay. Mais moi, je fais que le jaune depuis tout à l'heure. Non, mais arrête. Aïe, je me suis fait arrêter en plus. Bien sûr, comme pour le premier épisode, pour ceux qui l'ont pas vu, le délire, ça va être de tirer des pénalty. Et si derrière, on marque le pénalty, on gagne de l'argent et on gagne aussi des buts. Ces deux objectifs nous permettront par la suite de débloquer des nouvelles choses et de faire encore plus d'argent, d'avoir encore plus de joueurs et de construire notre stade, tout simplement. Et par contre, ça fait une deuxième fois que je me fais arrêter, une troisième fois. Arrêtez de m'arrêter. C'est pas possible. J'ai jamais eu trois arrêts d'affilée, moi. Non, ça dégoûte. Mais du coup, t'es déjà en train de prendre de l'avance. On peut voir en haut à droite qu'il y a... Hey, j'ai 10 goals, je peux faire un 1v1? Mais non, c'est 30 goals pour faire un 1v1, mon cher Wig. Donc, faut encore attendre. Ah, je me fais encore arrêter. Mais ouais, les gars, vous pouvez suivre en haut à droite le classement de nos buts, donc on peut voir qu'actuellement je suis en retard sur Wig. Et par contre, ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller voir est-ce que je pourrais pas faire des petites choses ici. Oh, faut 1000$ pour acheter le premier coffre. Ok, bon, on va éviter. Ici, on a notre premier supporter. C'est incroyable. C'est Wig en plus qui nous supporte. Pour une fois qu'il nous supporte, ce mec. Et ici, on peut s'acheter notre petite. Oh, ok, je crois qu'on a acheté notre maison et ce qui nous servira de salle des trophées. Donc on peut voir qu'on a des trophées qui montent jusqu'à 1000 scores marqués. Donc on est encore très loin. Et on a aussi des buts à défendre. Oh, ça veut dire que dans le futur, on pourra être nous aussi le gardien. Non, c'est incroyable. Et on peut aussi gagner des 1 contre 1. Donc... Non, mais c'est magnifique. Il y a tellement de choses incroyables qui nous attendent dans cette aventure. J'ai juste hâte de commencer. Arrête d'arrêter tous les buts. Et je commence déjà à avoir un premier jongleur pour moi. Ça, ça va me faire gagner de l'argent automatiquement. Ça fait plaisir. Et on est reparti pour une séance de tir au but. Allez, parce que là, j'ai pris du retard. Wig, il en est déjà à 24. J'en suis qu'à 12. Ça va pas le faire. Mais il fait que d'arrêter mes buts. Ah là, c'est parfait, c'est parfait. Alors comment il les arrête pas? Allez, je reviens, je reviens. Mais arrête! Frère, sur 5 buts, il en a arrêté 4. Eh bien, c'est mérité, mec. C'est juste pour me laisser repasser devant. C'est trop fou. C'est tout ce qu'on veut. Sachant qu'en plus, à chaque but qu'on met, on gagne 1$ par but supplémentaire. Donc là, par exemple, j'ai fait 20 buts, donc je gagne 20 de monnaie. Et si par exemple, j'en refais un... Non, mais je me fais arrêter en boucle. Si j'en refais un, voilà, je vais passer à 21$ par but. Ok. Eh ben, 21$, c'est beaucoup, hein. Non, arrête de faire le malin, là. C'est bon, je sais que t'en as beaucoup, toi aussi, mais bon, c'est pas grave. En attendant, on va faire ça. Et ça, ça sert à quoi? Oh, waouh, l'XP qu'on gagne. Ok, ça fait plaisir. Et aussi, si je gagne de l'argent, mais je sais pas combien d'argent je gagne avec ça, c'est même pas écrit. Donc vous savez quoi, on va pas perdre plus de temps et on va continuer à faire des petits tirs au but. Effectivement, voilà. Allez. Ok les gars, est-ce que vous êtes prêts? 1v1 matchmaking. Non, ça y est, mais qu'est-ce que c'est? Oh, faut que j'arrête le but. Oh non, mais c'est incroyable. Ah, c'est un 1v1 de pénalty, genre? Ouais. Oh, c'est incroyable. Attends, moi aussi j'arrive, j'arrive. Voilà, je marque mon 30e but directement. Non. Et maintenant, on va juste faire ça pour être plutôt bien. Et oh, on appuie là-dessus. Ok. Et là, c'est quoi? What? C'est quoi ça? Je peux faire des coups francs? Non, je me suis fait arrêter. Quelle est cette map de fou furieux? Sérieusement, on peut faire des coups francs et tout. Non, mais par contre, je me fais arrêter en boucle. Mais c'est trop dur. Les pénalty, c'est trop dur. Oh, let's go. J'ai marqué. Et du coup, je gagne. Mais non, mais attendez, mais c'est... Est-ce que c'est vraiment rentable? Je crois que c'est rentable si vraiment t'arrives à tirer au centre. Sinon, tu te fais arrêter à chaque fois. Faut forcément viser dans le vert si on veut réussir. Oh non, 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 non. Mec, il y a tellement de choses dans cette map, c'est abusé. Ok, là je l'ai normalement. Ok, c'est ça, je suis dans le vert, du coup c'est bon. Ok, là, est-ce que je l'ai? Ouais, je l'ai aussi. En fait, je pense que c'est plus risqué que le tir normal de penalty. Mais du coup, tu peux en faire plus souvent, donc c'est plus rentable. Oh, voilà, là, j'ai totalement loupé. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais je sais pas
pas visé, c'est pas possible. Mais c'est trop dur d'arrêter les buts, ce n'est pas possible. Non mais là mec, c'est tellement difficile. Même moi je dois tirer des coups francs là. Et je me fais arrêter en boucle, ça marche même pas. Ah. Oh, ok, je l'ai eu alors qu'il était dans le jaune, incroyable pour une fois. Et ça marche plus, bon ça marche plus, c'est pas grave. Bon, on va pas rester là-dessus à l'infini quand même. Ici on va faire ça en attendant. Et ici, on peut faire ça aussi. Ça, ça va être intéressant. Bon, ici on peut s'acheter aussi un grand stand. Est-ce que je vais avoir plus de supporters? Ouais, j'ai plus de supporters. Oh les gars, je suis sur une série là. Ah bah, je me suis fait briser ma série. Bah alors, y'a un petit problème? Non, mais j'étais sur une série de fou, j'ai fait genre 16 buts d'affilée. Oh oui, et ici du coup, effectivement, moi aussi je peux défendre mes buts. Ok, aïe, ah bah attends, c'est trop dur. Mec, c'est super dur, je te jure, tu verras. Vas-y, 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 viens. Je t'ai pas arrêté un seul, hein. J'ai fait 2 matchs. Non! Mais attends, mais en fait là, je suis en. Moi, c'est même pas un match que je fais, c'est même pas un. C'est un match, je suis sur mon propre terrain. Oh! Je l'ai défendu! Let's go! Mec, non, mais tu sais que j'ai débloqué tellement de choses! J'ai débloqué de quoi faire des coups francs, j'ai débloqué de quoi être le gardien et arrêter des pénalties. En fait, maintenant, il y a 1 milliard de moyens de gagner de l'argent sur cette map. La dernière fois, on était obligé de faire des pénaux, mais là, on peut totalement changer de stratégie. C'est incroyable. Bon, en attendant, j'ai pris quand même beaucoup de retard à force de tester les trucs, donc on va se focus. Et le gardien, arrête de m'arrêter, s'il te plaît! Mais c'est pas possible! Il m'a arrêté 4 fois en 5 tirs! High player, les gars! High player! C'est une dingue! C'est une dinguerie! Il m'a arrêté 6 fois en 5 tirs! Est-ce que je peux high player encore une fois? On va upgrade the house, les gars. Amélioration de la maison. Vas-y, améliore tout ça. Ouais. On va upgrade le field parce que je pense que c'est ça, les gars. Ok. Exactement. Ouais. Tu vois, hop là, high player encore une fois. Ah! Parfait. Mais attends, mais t'as combien de joueurs pour toi là? Free kick, j'en ai 3 la team. T'en as 3? Attends, vas-y, faut vite que je. Attends, je mets 50 buts et je vais tout de suite embaucher mon 3ème petit tireur là parce que ça va pas. Ok, comment ça il y en a 3 upgrade field? Ok, et là du coup est-ce que je peux en recruter un? Je peux quand même pas en recruter un, mais c'est quoi cette arnaque? Ah, ça coûte aussi cher. Attends, t'as payé aussi cher pour avoir un nouveau joueur? Ah, j'ai payé mon gars. Oh non, mais ça dégoûte. Ah, quoique là, ok, il y a un mec à recruter ici. Vas-y, vite, faut juste que je fasse des pénaux. Allez, on se met sur le bleu maintenant. T'as capté mon sang. ouais, allez, on se dépêche. Allez, le bleu. Bah moi je suis sur le bleu aussi là perso, ça se passe plutôt bien. Mais là d'un coup je vais passer sur le vert. Parce que après tout, pourquoi pas le vert. Et après je vais passer sur le rouge parce que le rouge il l'arrête. Comment ça, what? Qu'est-ce qu'il y a? What? Le prix. Le prix de quoi pour avoir un nouveau joueur? Le prix du prochain joueur, mon gars. Il coûte combien juste pour savoir? 38 000. Aïe. Déjà, mais tu sais qu'il y en a un à 24 000, tu l'as acheté? Non. Il y en a un à 24 000 aussi. Ah, mais je l'ai pas encore, lui. Comment tu l'as? Mais je l'ai, t'inquiète. T'as upgrade the field? Peut-être. J'ai peut-être fait des choses que je t'indiquerai pas. Aïe. Bon, les gars. Je suis clairement en train de progresser là, donc on continue. Ok, bon, maintenant j'ai mes 60 buts, donc on recrute un petit joueur, let's go. Et oui, le prochain il a 38 000, effectivement, ça fait très mal. Ok, et là je pense que je vais partir sur des petits 1v1, parce que de mon côté j'ai toujours pas testé. Allez, 1v1 matchmaking, vas-y, trouve-moi un match, vite. Eh, j'ai pas ton temps. Ok, Natmore versus Anonymous. C'est parti, ouais. Ok, moi je vise le green. Il me l'a arrêté. Non, c'est pas possible, je vais pas perdre ma série de penalty. Ok. Vas-y, tire. Non. Il l'a mis. Ok, je mets. Et c'est trop dur d'arrêter les buts, mec. Sur le jaune. En fait, je pense qu'il faut se mettre à côté. Vas-y, je me mets à droite. Viens à droite. Oui, je l'ai arrêté. Du coup, je me mets à droite maintenant. Parfait, j'ai marqué. Maintenant, je me mets à gauche. Tu vois, elle est à gauche. Non, c'était à droite. Non, j'ai pas eu. Allez, c'est pas grave, je vais sur le rouge. Ok, let's go, il a visé juste au-dessus, j'ai eu chaud. Allez, encore à gauche. Cette fois, il va aller à gauche. Oui, je l'ai arrêté. Et en plus, je gagne tellement d'argent. Quand t'as arrêté un but? Mais mec, j'ai arrêté 2 buts carrément. Mais mec. Allez, et là je l'ai mis. Du coup, j'ai forcément gagné, mais on va aller à droite. Allez. Non, c'était au milieu. Non. Mais c'est pas grave, j'ai gagné 500$ et j'ai fait une win 1v1. Let's go. Bien joué. Ça m'a mis très bien. Franchement, les 1v1 sont fun. Et en plus, tu gagnes plus d'argent que si tu faisais un but classique, donc je pense que je vais en faire pas mal. En tout cas, en attendant, je fais un peu des pénalties parce que je dois farmer un tout petit peu de monnaie pour pouvoir être bien. Regardez, normalement, maintenant j'ai ce qu'il faut et on se recrute un nouveau joueur. Il est juste ici, let's go. Et le prochain, waouh, faut tellement de buts. Ici, on peut signer un sponsor pour 150, quoi. Et on peut améliorer ça pour 85, ok. Ici, on peut signer
ramener un sponsor, ok. Et on peut améliorer notre salle pour seulement 600, mais on le fait. Ah ouais, bon, ça rajoute des petites cages seulement, bon, c'est pas ouf. C'est pas trop zinzin, quoi. Je pense que je vais améliorer tous les petits trucs que je peux améliorer, si ça peut m'aider pour les futures choses. Donc là, j'ai des petits bancs maintenant, ok. Bon, ça reste éclaté. Ici, je peux améliorer les lumières, ok, bon, mes lumières, pareil, elles sont pas fofolles. Et ici, je peux m'acheter une voiture. Let's go. Mais bon. Mon gars, arrête de faire du commerce, il vient de tirer des buts un peu. Pardon, c'est vrai que je perds l'objectif de vue. Mais attends, je vais juste prendre ça, voilà, ça servira peut-être dans le futur. Allez, mais en attendant, on va faire des petits 1v1 là, parce que c'est bon, j'ai capté les 1v1, c'est la vie, j'ai envie de tous les défoncer un par un. C'est que de la chance, c'est que de la chance. Non, c'est pas de la chance, c'est du talent, regarde, Blue, paf, allez, c'est marqué. Déjà un but de fait, maintenant, vas-y, tu vas aller à gauche. Non, il a loupé, non mais il a loupé. Quoi? Non, il l'a mis en poteau rentrant, non, ça dégoûte. Ok, je mets en rouge, voilà, je mets pas le Blue deux fois de suite. T'as cru que j'étais bête ou quoi? Allez, viens. Non, il est parti à l'opposé. Ok, c'est pas grave, on va sur le yellow. Non, il m'a arrêté. Je suis dans la merde. Viens sur moi. Non, c'est pas possible. Attends, bleu. Ok, le bleu s'est passé. Allez, faut absolument que j'arrête ce but. S'il te plaît, va à droite encore. Non, c'était à gauche, c'est pas possible. Ok, allez. Je la mets, ok, maintenant faut absolument que je l'arrête, sinon c'est pas possible. Va à droite. Je l'ai arrêté. Ok, du coup ça continue. Allez, tiens, mon gars. Allez, le jaune. Non, il me l'a arrêté aussi. Je suis en train de faire des arrêts, mon gars. Non, mais mec, c'est pas possible. Oh, je l'ai arrêté aussi. Mon dieu, ça s'arrête trop pas. Trop dur. Mais pénalty. Non, il m'a encore arrêté. J'ai visé sur le bleu, c'est pas possible. Non, mais je vais perdre. Mais c'est trop dur. Et j'ai perdu. Non, c'était tellement serré. J'ai envie de pleurer. Ouais, vas-y, c'est trop dur, frère. Vas-y, je vais faire des coups francs. Ah, non, mais les coups francs, c'est vrai que c'est le truc le plus difficile de la Terre. J'ai jamais vu ça. Non, oh, non, je la mets pas. Voilà, la lié, voilà, dans la lucarne. Elle a encore une fois à l'extérieur. Et encore un but. Non, c'est bon, je suis trop chaud. Non, c'est pas possible. Ok, c'est parfait. Oh, non, il me l'a arrêté. Bon, les gars, on va farm au maximum via ces techniques parce que, en vrai, si on arrive à bien tirer, en général, je pense que c'est mieux qu'un penalty classique. Donc, let's go, les gars, on se met bien. Non, mais vas-y, il est trop chaud, j'étais en plein milieu. Non, je veux rien. Comment ça, tu veux rien? C'est quoi que j'ai acheté là? Qu'est-ce que tu fais? Mais je suis dans le football shop, mais j'ai. Oh, y a pas de bouton pour partir, mec. Attends, y a un football. J'ai dû acheter shop. Un truc, je crois. Ah, vas-y, ça marche pas. Attends, je retire. Allez, un dernier coup franc juste direct. Pour voir. Ok, bon, j'ai marqué, mais on va s'arrêter là parce que c'est trop difficile, les gars. Par contre, s'il y a un truc que j'ai pas oublié de faire, c'est... Ah non, c'est encore un petit peu plus. Mince, on va attendre un petit peu alors. Ok, je refais un 1v1, vous savez quoi, les gars, j'ai pas de temps. Ok, Natmore versus Anonymous 332. Allez, on commence par le pink et voilà, ça passe direct. Maintenant, tu vas aller à gauche. Non, tu vas aller à droite, bon, c'est pas grave. Ensuite, le bleu, voilà, ça passe toujours. Maintenant, tu vas aller à droite aussi, encore, toujours. Non, tu vas à gauche cette fois-ci. De toute façon, je vais aller qu'à droite. Regarde, toi, là aussi. Non, j'ai visé le bleu. Vas-y, c'est pas grave, je vais à droite. Mais c'est pas possible, c'est au milieu. Vas-y, le bleu encore. Non, il me l'a encore arrêté. Non, c'est une dinguerie, frère. Va à droite. Non, mais c'est pas possible! J'ai perdu. Non, mais vas-y, ça dégoûte. Ok. On va passer par des pénaltys normaux. C'est bon, ça m'a saoulé. Frère, il y a un truc, ça coûte 425 de buts. Ah quoi? Mais c'est abusé. Mais attends, déjà, c'est pour acheter un nouveau joueur. Ah, mais oui, mais je viens aussi de passer à l'amélioration là. Je viens de voir. C'est abusé. Ok, ici, je peux améliorer mes cages. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? Oh, ici, c'est vrai qu'il y a ça à ouvrir. Qu'est-ce que j'ai? Oh non! Oh, c'est nul. Oh, je suis dépité. Ensuite, par contre, ça, je peux le faire juste ici, donc c'est pas mal. Et ici, je peux signer un petit sponsor. Let's go. Ok, petit sponsor. Allez. Mais tu t'encourages toi-même ou c'est moi là? Let's go. On a pas de temps à perdre, les gars. Mais je vois ça. Bon, vous savez quoi, je suis accro au 1v1, ok. Je vais essayer d'en remarquer un, parce que là, ça va pas. Allez, Natmore versus Anonymous 380. Et je vais buter le joueur. Regardez, j'ai un gun. Non, en vrai, on va aller sur rouge. Voilà. Toi aussi, t'as pris un coffre? Ouais, j'ai pris un coffre aussi. Mec, c'est le pire truc. T'aurais dû me le dire avant. Je l'aurais pas pris. Non. Allez, vert. Non, mais pourquoi il me laisse arrêter à chaque fois? Je sais pas. Vas-y, à gauche. Droite. J'ai l'impression que les 1v1 ils sont plus durs, genre t'as moins de probabilité de marquer. Non, en vrai t'as plus de chance, mais juste j'ai pas de chance. Ok, allez, non, mais c'est pas possible, il me l'a mis dans la lucarne. Allez, faut juste que j'arrête là, c'est bon, je viens de marquer. Là à droite, tu vas aller à droite. À gauche. Pourquoi à chaque fois c'est toujours le mauvais côté que je choisis, c'est une dinguerie. Allez, à droite, je change pas, à droite.
C'était au milieu, mais c'est une dinguerie, je fais que perdre. Vas-y, je fais... suis en train de le faire tracer, du coup ça dégoûte. Parce que l'autre il prend pas de risque, il fait juste des pénalties en boucle là, c'est bon, je le vois. Mais mec, attends, quand je vois qu'un truc il coûte 425 de but, mais il y a pas de temps à perdre en fait. Ouais, je comprends, mais bon... Ah, arrêtez de m'arrêter. Bon, ici on va améliorer notre terrain, ok. Et qu'est-ce qu'on a pu débloquer grâce à ça? Ok, il y a ça à débloquer, ça va être intéressant. Il y a ça aussi à débloquer, ça va être très intéressant. Et à part ça, ok, on n'a pas grand-chose de plus. Bon, continuons donc à faire des 1v1. C'est le mec qui comprend rien, il perd à chaque fois. En vrai, l'avantage des 1v1, c'est que tu gagnes plus d'argent, mais il faut gagner pour ça en fait. C'est ça le problème. Donc vas-y, green, voilà, donc là je marque. Ensuite, je reste au milieu, je reste AFK carrément. Voilà, voilà, je reste AFK et ça passe. Allez, maintenant j'ai encore marqué, je reste encore AFK. Tu vas encore viser au milieu. Ok. Non, bon, pendant ce temps, le gameplay de Wig est vraiment passionnant. Pendant ce temps-là, Wig est en train de tirer sur des ballons en boucle. Green, green, green. Non, fils de gentil. Ok, je reste au milieu, je reste au milieu. C'était à gauche. Allez, allez. Faut absolument que j'arrête le dernier, comme ça, j'ai gagné. Vas-y, champ, il va être à droite. Et si tu me le mets au milieu, je pleure. Non, il est à droite, let's go, j'ai gagné. Voilà, plus 1000 de monnaie et plus une win en 1v1. C'est ça qu'on veut, les gars. Quand tu arrêtes un but, ça te donne de l'argent? Quand t'arrêtes un but, ouais, ça te fait gagner genre 5 fois plus d'argent que si t'avais juste marqué un but. What? Et c'est pour ça que c'est plutôt intéressant, en fait, d'en faire quand même. Mais bon, on va repartir un petit peu sur les pénalties parce que j'ai un petit peu 50 pénalties de retard sur toi. Allez, les gars, go. Sur un méga timelapse de la mort qui tue. Ok, on se retrouve du coup pour acheter ce nouveau joueur enfin. Et acheter ce joueur aussi enfin. Oui. Let's go les gars. On avance. Et ça va Wig, ça se passe bien toi 1v1? Oui, j'ai gagné le 1v1. Ah putain, mais vas-y. Tu veux pas avoir un peu moins de chance histoire que je te rattrape? Non mais là c'est trop mec, il faut 425 de trucs, t'imagines? Est-ce que vraiment on va faire 425 buts? Bah je pense hein. En plus il y a pas de trucs automatiques comme dans l'autre. Pas encore, pas encore. Oh, ici je pouvais m'acheter ça, j'avais pas vu. Ok, pourquoi pas. Ici on améliore notre maison. Oh, sympa, sympa. Et par contre pour le reste ça coûte un petit peu trop cher pour le moment. Donc on va vite revenir au petit stade. Ok, et sinon à part ça, on va essayer de lire ce qu'il y a écrit sur les panneaux. Parce que regardez ce qu'il y a écrit. Trouver la carte dans la ville. C'est-à-dire que depuis le début, on s'est tellement focus sur nos stades, oui, c'est qu'on a oublié qu'il y avait une ville derrière. C'est réel. Et tu as acheté une voiture pour pouvoir y aller. Bah mais mec, la voiture elle est totalement gratuite. Si tu veux, je t'y emmène même. Les gars, alors, c'est ça va être le moment d'aller en ville, je pense. Pour aller voir ce qui nous attend là-bas. Parce que c'est vrai que depuis le début, on n'y est pas allé. Les gars, je vais en ville avec un paquet d'argent là. Ah ouais? What? Tu peux récupérer des ballons d'or dans la ville, ça te donne 1000$ à chaque fois. Attends quoi? Mais attends, mais j'arrive direct mec, mais tu m'as pas attendu. J'aurais dû faire ça dès le début. J'arrive. Ok les gars, je suis en train de récupérer tous les dollars de la ville. Alors... Et en plus ça compte comme des tirs à chaque fois, ça met un goal. Oh oui, plus 1000$ et plus un goal, let's go. Go se rendre en ville pour se régaler les gars. C'est vrai qu'on avait totalement oublié, regardez là, il y a la petite crapule devant nous là. On passe incognito, là, c'est un pas goal. Grave. Et on se fait plaisir surtout, là voilà. Ah là, bah alors là le gardien il arrête pas les buts hein. Ah bah là le gardien frérot il est inexistant hein, celui qui arrête 50 fois par seconde mes tirs là, j'en peux plus. Mais finalement on s'en sort plutôt bien. Et par contre, est-ce qu'il y a des choses à acheter? Oh, il y a un outfit store qui peut, on peut s'acheter des maillots qui sont trop stylés. Mais est-ce que on s'en achète un? Bah vas-y, pour se faire plaisir, on s'en achète un. Ah non, il faut un stand jersey que j'ai pas encore, donc je peux pas du tout l'acheter finalement. Bon, c'est pas grave, mais par contre on se fait plaisir sur les petites récompenses. Et attends, ici on peut s'acheter des voitures. Oh, faut 10 millions pour acheter une voiture. Bon allez, on reviendra. Attendez les gars, comment on récupère ceux qui sont sur le toit là-bas là? J'avoue, il y en a qui sont sur les toits. Mais... Ah mais comment on les récupère? J'ai aucune idée mon cher Wig. J'ai vraiment aucune idée. Attends, jetpack. Il a eu un jetpack les gars, j'ai pas moi. Et ouais mon pote. Faut bien ouvrir les yeux quand on joue à la map. C'est fini toi les gars. Quel dommage, je gratte des petits milliers de dollars si facilement. Ok, retournons à la maison maintenant. Parce qu'on va pas perdre plus de temps quand même. Oh, il y a un bus devant nous. 1v1. Ok, je... bon. Loot light.
rigole. Mais c'est bon, arrêtez, ouais, ils grandissent les trucs. Ok, du coup, je reviens et j'ai tellement d'argent maintenant. Donc, vous savez quoi, on améliore le Golf Post, on améliore notre lumière. Les gars, on va se faire plaisir, on améliore tout. On améliore aussi notre stand juste ici. Et on va encore l'améliorer parce que tant qu'on y est, on faut des bons supporters. Voilà. C'est vrai, hein, il a raison. Hein, allez, les supporters, les gars, prenez place. On améliore notre lumière une fois, on les améliore même une deuxième fois parce que voilà, faut pas abuser. Et une troisième, bon, ça coûte un peu cher. On va attendre un petit peu. Ici, on peut améliorer notre poste de but, on peut améliorer notre terrain juste ici. Oh, il commence à être classe. C'est vrai que le terrain commence à être stylé. Hein. Et par contre, faut 475 buts pour améliorer notre terrain encore. Ok, on va attendre un petit peu. Ici, on peut s'acheter un nouveau sponsor. Sponsorisé par YouTuber Tycoon 3, d'ailleurs, qui est disponible sur ma chaîne, les gars, qui apparaîtra à la fin de cette vidéo. Et ici, encore un sponsor qu'on peut acheter. Et ça, c'est la map du premier Football Tycoon, d'ailleurs, qu'on a fait. C'est magnifique, les gars. N'hésitez pas, en tout cas, à vous abonner à la chaîne, hein, parce que si vous n'avez pas vu toutes ces vidéos, vous loupez quand même quelque chose. Donc, pensez à vous abonner. Et puis, si vous mettez les notifications en plus, bah, ça sera parfait. Vous louperez aucune de mes nouvelles vidéos. Bref, sur ce, j'ai déjà pas mal amélioré de choses, mais on va un peu continuer. Là, regardez, encore des lights à améliorer. On les améliore même alors qu'elles coûtent super cher, c'est pas grave. Ici, pareil, les stands, faut bien les améliorer. Paf, 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 on l'améliore encore. Regardez, maintenant, on a un maximum de supporters. Let's go! Ah, ils ont disparu. Mais ils sont là, les en gars, fait. Les gars, les lights, elles commencent vraiment à coûter cher, là. Mais là, tu sais que... voilà, les lights, attends, là, il y en a eu à 5000, là, il y en a à 6000. Et après, oh, à 105 buts. Elles coûtent tous 17000. Et après, oui, 17900 pour améliorer. Ah ouais, là, on va peut-être attendre un petit peu. Oh, ici, le prochain joueur à recruter, il est un peu cher. Et ici, on va améliorer aussi tout ce qu'il nous faut. Donc là, on améliore encore les lampes, encore les lampes. Et encore une fois, ça va coûter 17000. Ouais, on va attendre un petit peu. Ici, on peut améliorer notre stand. Et encore améliorer notre stand. Et ici, du coup, il nous reste pas mal de choses à faire. Mais pour ça, il va falloir qu'on ait surtout des buts. Donc on va essayer très rapidement de se focus sur cet objectif. Mais juste avant, je me dis autant dépenser tout mon argent histoire de pouvoir temporiser un maximum. Donc vous savez quoi, les lumières de riches, on se les achète. Regardez, paf. Pareil, les stands super chers, on se les achète. Paf. Ok les gars, on a plus d'argent, on a tout utilisé. On a une belle maison, on a un beau stade. Et on continue le tryhard. Et moi aussi je continue le tryhard parce que regardez, on commence à avoir pas mal de supporters, des petites tribunes, des petites spotlights. Mais il va falloir tirer. Et pour ça, on va ne pas partir sur des 1v1, mais plutôt partir sur des tirs au but. Et un petit timelapse très rapide. Je suis épuisé, est-ce que vous voyez ça? Oui! Non, t'es à combien? 425! 425! Non, attends, du coup, tu peux t'acheter un nouveau player? Oh, non, long. Je suis dépité! Et moi, c'était long, les gars! Pas, je suis toujours pas, regardez comment je suis loin! Si vous saviez combien de fois je me suis fait arrêter mes tirs, c'est une singerie! Mais regardez, je me les fais toujours arrêter en boucle, les gars! Je vous jure qu'en termes de probabilité, je serais multimilliardaire si c'était sur le correspondant au proba, regardez! Je me fais arrêter un tir sur deux depuis tout à l'heure! Et c'est même plus depuis que je fais cette vidéo, frère! J'ai pas le droit au bonheur! 3 fois de suite sur le rouge! C'est quoi, c'est 4 fois de suite sur rouge! 5 fois de suite! Comment ça? Comment ça 5 fois de suite, frère? C'est pas possible. Et ça tire automatiquement quand je suis... Si je touche à rien, bah forcément quand je tire automatiquement ça marche. Mais là regardez, je vais aller sur le vert. Non, bah, j'ai fait 5 fois de suite sur rouge, les gars. La probabilité que ça arrive, c'est une chance sur 3000. Les gars, nous, bah on améliore le stade, hein. C'est magnifique. Grand stand, c'est parti. Oh là là, encore. Oh là là, encore. Arrête. Wesh. Ça y est, arrêtez de rajouter des étages, les gars. Lâche ça. Allez, on va faire ce côté un petit peu. Oh là là, les gars, mon stade de foot, il est magnifique. Mais frère, je suis seulement à 400 buts, alors que toi, depuis tout à l'heure, tu fais qu'améliorer. C'est pas possible. Dis-toi qu'il me reste encore 50 buts à marquer. Hein. Bah, ça dégoûte, ça dégoûte. Bon, le seul avantage, c'est qu'à force de me faire arrêter mes buts en boucle, la monnaie monte toujours et je vais monter à 1 million de dollars. 1 million, wesh. C'est peut-être pour montrer la détresse dans laquelle je suis bloqué depuis tout à l'heure. Vraiment, je crois que, en fait, je me fais payer pour perdre. Et c'est terrible parce que ça paye tellement bien. Tu es presque, mec. Encore 6 buts. J'avoue, encore 6 buts et je vais enfin pouvoir m'améliorer. Mon
foutu coéquipier là, je peux en recruter un. Mais bordel les gars, qu'est-ce que ça fait mal. Allez, le dernier s'il vous plaît. Ok, on marque enfin le 425ème. Et on va donc pouvoir se faire plaisir. Déjà, on recrute un nouveau joueur ici qui farme pour nous. Ensuite, on va directement améliorer notre poste de but juste ici. Puis la encore, machine est lancée. L'améliorer, puis encore l'améliorer, puis encore l'améliorer, puis... Non, ah bah je peux plus améliorer. Mais bah, c'est pas grave, maintenant on va améliorer aussi nos lumières, regardez. Oh bah elles sont nulles, je suis déçu, mais c'est pas grave, on les améliore encore. Et là voilà, on a des vraies lumières. Maintenant ici, on va améliorer le stadium carrément. Regardez, on a des meilleurs contours, mais c'est pas encore suffisant. On va améliorer nos stands juste ici, qui s'améliorent. Et on va encore pouvoir les level up juste là. Regardez, elles sont magnifiques. Mais ça on s'arrête pas là parce qu'on met un deuxième étage. Et on s'arrête pas là parce qu'on fait un méga étage. Et on s'arrête pas là parce qu'on fait un méga deuxième étage. Et on s'arrête pas là parce que... Je perds mes moyens, je suis désolé les gars. Mais là on est en train de tout améliorer. Et qui ont de plus en plus aigu, tu sais. Vraiment le mec il s'arrête jamais. On améliore notre poste de but juste ici. Puis on améliore notre poste de but juste ici. Puis on améliore notre poste de but juste ici. Puis on améliore notre poste de but juste ici. Puis on améliore notre poste de but. Mais mec, wesh! Tu partais d'où? Y'avait rien sur ton stade ou quoi? Y'avait rien depuis tout à l'heure, mec! J'avais 1 million d'économisés et là, ça y est, on les dépense au maximum en améliorant tout. Voilà, paf, c'est amélioré, c'est magnifique. Maintenant, de notre côté, on regarde, on a un stand magnifique de ce côté-là et de ce côté, on n'a rien encore. Donc, on va vite améliorer tout ça. Mais ce que Nightmare ne sait pas, c'est qu'il lui reste une dernière mission. Non, je sais qu'après, il me reste encore des trucs à faire, mais j'ai même plus envie de savoir. Là, tout ce que je sais, c'est que je kiffe enfin, je peux enfin tout améliorer ici. Voilà, faut encore que je me déplace, mais on améliore notre stand juste là, c'est magnifique. Et ensuite, on améliore notre stand encore une fois. Et encore une fois, on lui rajoute un deuxième étage. Mais après, on fait un méga stand. Et ensuite, on fait un méga stand deuxième étage. Comme du déjà vu ça, mais c'est parce que c'est normal. Maintenant, on a des stands de fous furieux de chaque côté du stadium. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? J'ai l'impression que le seul objectif, c'est d'avoir 375 buts. Alors, je vais attendre un petit peu et on 475 ouais, 475. Et par contre, je vais quand même attendre et on va améliorer notre petit arsenal juste ici. Regardez, on peut s'améliorer des choses. On les améliore. Paf, on se fait plaisir. Ici, on peut encore une fois améliorer notre arsenal, améliorer nos murs. On se fait plaisir. On améliore encore notre arsenal. On améliore encore notre arsenal. On améliore Arsenal. Non, c'est pas la même chose. Ça, c'est une équipe de football. Mais on améliore c'est encore. Et bah non, me dis pas que tu vas pouvoir avoir tout ce qu'il faut là. Arrête le but. Ok, c'est bon, j'ai eu les gars. Non. Exit et on augmente le field. Je veux pas savoir ce que t'as. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Non, me dis pas que t'as un objectif avec beaucoup de buts. Alors ça. Oh, je m'assois. C'est quoi, je m'assois? Ah ouais, tu t'assois? Je m'assois. Ah. Est-ce que tu vois mon objectif ou pas? Attends, il est où ton objectif? Il est juste devant moi là. Ah. Non. Ah. On va pas mourir. Pourquoi t'as autant de vie? C'est pas possible. Non. Je suis bloqué. Mais t'achètes des trucs carrément. Vas-y, viens. Ah. Ah mais c'est pas possible, merde. Mais merde. Faut que je recharge. Allez. Voilà, là j'ai défoulé ma haine là. Comment ça? Non, il faut 650 buts, les gars. Les gars, je suis désolé hein, mais je crois que... Attendez, laisse-moi déjà faire mes petits 50 buts, ok? Après on en reparle. Moi j'améliore tout les gars, j'améliore ma maison au maximum. Parce que là on a de l'argent là. Ok, on s'est fait une petite salle de sport, magnifique la salle de sport. On améliore l'arsenal. Ok, l'arsenal est au complet. Tout en bas, donc c'est tout est bon les gars. Allez, deuxième étage. Comment ça, deuxième étage? Il y a combien d'étages? Il y a un deuxième étage dans la maison. Ah ouais, bah plutôt plaisir. Ah ouais, là ça coûte un peu plus cher les gars. Moi il me reste encore quelques centaines de milliers si jamais. Ah ouais, j'ai pas assez. Ah ouais, ok, bon là ouais. Bah alors on est nul? Mec, c'est pas ce que tu crois. Ok, on continue. Allez, crouch. Ok, let's go. Donc là on est bon. On va acheter les trucs pas très chers là. Ça, un stand de TV, un autre stand de TV. Ah, j'ai même plus 16 000 les gars tellement. T'es pauvre. Je crois qu'il reste plus que ça, hein. Le next floor. Ah non, next floor. Mais c'est interminable. Comme les arrêts que je me prends.
non mais c'est une folie frère, c'est une folie. Mais encore 15 000, mais arrêtez, j'ai plus de sous. Bah alors on est ruiné bébou. Arrêtez avec votre gamer console, j'en ai déjà acheté une. Quoi, t'as une quelle console de gamer? Mais wesh, la chance. Mais oui, ça paye bien footballeur. Attends, est-ce que tu voudrais pas, Wig, essayer de partir chercher pour nous la carte secrète qui est disponible dans la ville? Pendant que je suis en train de terminer tranquillement moi de faire mes derniers buts là. Vas-y, pourquoi pas, pourquoi pas. Allez. Attends, non je peux pas, j'ai une mission. Ah ouais? Je peux pas, je viens de voir un truc là. Penalty. On continue. Quoi? Je suis motivé pour en faire 25 de plus. Oh, mais attends, mais qu'est-ce que t'as pour 500 buts? Allez les gars, plus que 20. 20 ça se fait en vrai. On en a fait presque 500, alors 20 franchement. Par contre, comptez pas sur moi pour en faire 150 de plus là, le truc là. Non, j'avoue que 150 c'est trop. Juste pour tirer une indication les gars, ça fait déjà 1h10 qu'on est dans la map. Et voilà, on a fait même pas 500 buts. Alors imaginez si on doit en faire 150 de plus. On en a encore pour au moins 20 minutes de pur cliquage. Et on va pas se mentir que pour le résultat escompté, ça vaut pas forcément le coup. Les gars, plus que 4 les gars. Les gars, j'ai 500, ouais. Let's go. Je crois que c'est le dernier truc. Non. Qu'est-ce que Qu'est-ce que t'as amélioré? J'ai amélioré le stadium. Maintenant j'ai des contours. Non mec, attends, c'était mon rêve. Bon attendez, je viens de débloquer pile de quoi acheter un nouveau fil du coup. Et ici, qu'est-ce que je peux? Oui, le stadium pour 500 buts. Il me le faut absolument. Il me le faut absolument, moi aussi. Je vais galérer, mais je dois l'avoir. On m'a confié une mission. Je dois trouver les cartes secrètes. Vas-y Wig, je te fais confiance. Mais à quoi ressemblent ces cartes? La carte de collection. Il y en a qu'une seule à trouver, Wig. Mais elle se cache. Il n'y a vraiment qu'une seule? Il n'y en a qu'une seule. Ok, bon déjà, on va prendre les ballons. Je l'ai trouvé! Quoi? Non. Déjà? Oui! New card collected! Attends, mais elle était où? Attends, il y en a encore en vrai, je pense. Elles sont planquées où à peu près? Et il y en a une sur le toit, elle est énorme, tu peux pas la manquer. Ok. Les gars, moi je vous propose un petit timelapse, car je suis littéralement au bord de l'objectif des 500 pour avoir l'ultime stadium. Je crois que les gars, ces derniers arrêts, ces derniers tirs, c'est le résumé de cette vidéo, les gars. Je me suis fait pisser dessus du début à la fin. Vraiment, je me fais arrêter un tir sur deux, alors que la probabilité, c'est un tir sur cinq, normalement. Sérieusement, ça dégoûte. Mais bon, c'est pas grave. Allez, les deux derniers, s'il vous plaît. Je me les fais pas arrêter. Allez, le dernier, s'il te plaît. Je tire où. Dis-moi un truc, Wig. Dis-moi une couleur. Vert. Vert. Let's go. Ok, allez, je quitte. Je retoucherai plus jamais à ça de ma vie. Et là, on améliore le stadium. Et c'est parfait. Maintenant, notre stadium est rempli. Il est au complet, les gars. C'est magnifique. Et sur ce, je te confirme, mon cher Wick, qu'il y a un total de 8 cartes à trouver. Je jure qu'elles n'y sont pas. Mais il y a seulement 4 cartes qui sont dans la city, j'ai l'impression. Les autres sont pas dans la ville, sont autre part. Oh, mais attends, mais les autres cartes, on les débloque pour des dollars. Donc là, j'ai eu une carte pour 50 000 dollars juste ici. Une carte pour 50 000 dollars juste là. Sur 50 000 encore là, encore là. Et maintenant, du coup, si t'as trouvé 4 cartes dans la ville, c'est que tu as totalement débloqué toute ta collection. Ok, je suis en train de m'acheter un outfit. Donc là, je vais m'acheter celle-là. Ok, moi de mon côté, j'améliore un petit peu ma maison. Voilà. Même si pour le coup, vous avez déjà vu tout ça du côté de Wig. Je vais quand même me faire une petite salle de sport. Parce que les gars, faites du sport, c'est super important. Pour votre santé, manger équilibré, 5 fruits et légumes par jour. Bon, ça n'a rien à voir en fait. Mais bon, on monte à l'étage. Pareil, on se fait plaisir. On se prend des petites moquettes. On s'achète des trucs. On regarde même pas ce que c'est. Mais on achète. Bam, bam. Ah, bah, je me suis bloqué. Mince, ok, on passe par là, paf, on achète, quoi, prochain étage à 125 000, ça coûte tellement cher. Et c'est pas grave, on continue d'acheter. On va voir à quoi ça ressemble, les gars, dans quelques secondes, mais pour le moment, on est tête baissée. What? Et on améliore encore notre lit, on améliore notre chambre de gamer, on améliore tout ça. Paf. Ok, les gars, j'ai le dernier étage. Et le problème, c'est que l'hélicoptère, il coûte 825 000. Non, quoi? Non, c'est pas grave, on fera sans hélicoptère, moi j'ai un jetpack, ça suffira. Mon cher Wig. Bon, je me suis acheté voilà une petite chambre, petite console de gamer juste ici, petite autre console. Voilà, on a l'Xbox, la PS5. Et sur ce, les gars, je pense qu'on va pouvoir se laisser juste ici. Ah non, il me manque une carte, elle est dans la ville. Et il te manque une seule carte. Bah attends, j'ai une petite carte in the city. Je vais essayer de la trouver avec toi, mon cher Wig. Et puis après, on s'arrêtera dès qu'on l'aura trouvé. Mais en attendant, regardez le stade qu'on a pu construire, les gars, c'est splendide. Magnifique. Bah. Et je me rends dans la ville. Alors, où est-ce que sont les cartes? Oh, je crois que j'en ai trouvé une là-bas. Ok, est-ce que ce serait pas une carte qu'il y a juste ici? J'ai bien l'impression. Donc on va la récupérer. Hop là, on passe. Et voilà, une carte de récupérer. Du coup, il en manque plus que 3 autres. Alors, où est-ce qu'elles sont? Est-ce qu'elles sont cachées sur les immeubles ou est-ce qu'elles sont autre part? Il y en a une sur le toit de la station essence. Ok, là j'en ai une juste là, effectivement. Il y en a une au-dessus de la voiture où je suis là.
Où est-ce que t'es? Bâtiment rouge à côté de la station essence. Elle est dans le balcon là au-dessus de moi. Ok, ok. Bah, il m'en manque plus qu'une dans ce cas-là, comme toi en fait. Et la dernière, mon gars. Où elle est introuvable. La dernière. Ça se trouve, on a trouvé nous deux la dernière, juste c'est pas la même dernière pour nous. Ok, alors. Où est-ce qu'elle peut être la petite dernière, la petite cachée? Elle serait pas cachée discrètement derrière un petit bâtiment comme ça, j'ai pas l'impression. Où est-ce qu'elle est? Elle est pas derrière un camion de poubelle, j'ai pas l'impression, non. Ici, il y a rien du tout. Ici, non. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Où est-ce qu'elle peut se cacher? Oh, oh hein? J'ai trouvé la dernière carte. Let's go. Elle est en dehors de la ville. Elle est sur les petits arbres. Il y a des, il y a une petite forêt à côté. Elle était là. Oh non, il l'a mis là-bas. Oh le vilain. Elle était ici. Bien joué. Bon, mon cher Wig, je tiens à m'avoir vaincu pour cette vidéo. J'avoue que t'as été meilleur. J'avoue que j'ai t'as eu réussi. Juste plus de chance parce qu'il m'a laissé passer plus de buts. Hein. Ouais, c'est ça. Mais du coup, t'as juste été un meilleur tireur dans cette vidéo. Donc je m'avoue ouais. vaincu. Bien joué à toi. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, sachant que j'ai déjà dit de vous abonner. Abonnez, fou. Et sinon, il y a d'autres vidéos qui sont apparues, dont des vidéos avec Wig. Donc vous pouvez très bien cliquer dessus. Vous allez passer un bon moment. Et sur ce, c'est ciao.